C'est dans un contexte particulièrement douloureux et tragique qu'a lieu cette année la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe, moment de convivialité qui partout en France rassemble la grande famille de la sécurité civile. Je voudrais, au colonel, d'abord vous féliciter aussi Claude pour la belle cérémonie dont on a pu participer, de très haute tenue. Je crois que là aussi, c'est une image des pompiers, c'est une image, c'est cette photographie où vous représentez la France et vous représentez aussi cette fraternité, parce que vous engagez, vous êtes volontaire, on vous a demandé d'intervenir au profit des bas alpins, vous êtes présent, vous vous formez, c'est quand même pas quelque chose de très facile quand on a une famille, quand on a des engagements. Donc je voudrais vous rendre hommage, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, parce que votre dévouement, eh bien, nous devons le reconnaître. Nous devons le reconnaître, nous les élus, bien sûr, mais aussi les citoyens doivent le reconnaître.